Je ne choisis pas les sujets de mes films de façon très réfléchie. Je ne décide pas d'attaquer un scénario. Juste, voilà, je me mets à écrire. Et là, je voulais m'autoriser à parler de quelque chose qui peut sembler banal et quotidien, parce que justement, je pense que la vie est loin d'être banale et quotidienne, et aussi parce que, comme je suis une cinéaste costaricienne, franco-costaricienne, j'ai l'habitude de penser qu'en étant centra-américain, on doit raconter des choses intéressantes sur l'endroit d'où on vient être. Et j'en avais pas envie, en fait. Voilà, le désir n'est pas allé de ce côté-là. Donc, comme je me laisse guider par le désir, c'est comme ça que j'ai écrit ce scénario. Quand j'étais jeune, enfin plus jeune que maintenant, j'avais fait un court-métrage et j'avais rencontré un programmateur d'un festival important. Et il m'avait dit, j'en ai marre des films sur le père. Et évidemment, je présentais un film sur le père. Donc, je me souviens, j'avais été enfin, je me disais, bon, faut que je change de sujet, il faut que je fasse autre chose. Et en même temps, je me suis dit, bon, bah, pourquoi? De toute façon, le rapport au père, on en parle de Hamlet à Star Wars. Et donc, je pense que j'ai décidé de m'autoriser à le faire en essayant de juste penser à la vie, à telle qu'elle est, dans sa complexité, à écrire en pensant à des personnages et pas à une structure de scénario ou à un besoin d'histoire qui fonctionne. Et je pense que c'est ça qui m'a permis d'atteindre, j'espère, comme vous le dites, une certaine complexité. Mais je pense qu'à un moment donné, il faut s'autoriser des choses en tant que cinéaste. Il ne faut pas imaginer que le cinéma, c'est quelque chose par lequel on entre par la grande porte et que les petites histoires n'ont pas lieu d'y être, d'y exister, quoi. Il y a un moment où on est une équipe de personnes qui ont mis leurs tripes sur la table. C'est-à-dire moi, les acteurs, mais aussi le reste de l'équipe, on vient d'un petit pays. Donc il y a quelque chose de, je sais pas, d'organique. On avait eu l'impression d'inventer quelque chose, même si on faisait un film qui, sous une apparence de l'extérieur, peut sembler peut-être un peu classique. Il y avait quelque chose de très humain là-dedans. Et je pense que ça, parfois, plus on s'approche de quelque chose peut-être de banal, d'intime, de sincère, de spécifique, en fait, finalement, et bien plus on atteint quelque chose d'universel. Le prix pour eux me rend presque plus heureuse que le mien. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais vraiment, il y a un an, j'étais même pas sûre d'être vraiment une cinéaste. Et les rencontrer, eux deux, et le travail qu'on a, comment dire, développé tous les trois ensemble, je pense qu'on est devenus tous les trois acteurs, on est devenus tous les trois cinéastes, on est devenus tous les trois humains en travaillant ensemble. Et c'était le travail avec le corps, c'était la complicité, c'était aller à certains endroits de la violence aussi ensemble. C'est un langage, c'est quelque chose qui. Faut se serrer les coudes pour pouvoir travailler ça ensemble. Ouais. Et donc ce prix, c'est, je sais pas, ça me rend immensément heureuse. Ça confirme mes intuitions en tant que cinéaste, en tout cas. J'ai pu connecter avec un jury, j'ai pu connecter avec un public aussi, parce que j'ai l'impression que le public a, enfin, il a connecté aussi avec le film. Évidemment, ça me pousse à continuer, mais ça envoie aussi un signal au cinéma au Costa Rica, quoi. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se passe là, on est en train de s'autoriser à raconter d'autres histoires, à avoir un vrai cinéma, à avoir des festivals internationaux qui nous invitent pour présenter nos films. Et je crois que là, en tout cas, ça peut aussi représenter l'opportunité pour qu'il y ait un fonds régional qui soit créé là-bas ou quelque chose qui permette aux autres cinéastes aussi de faire du cinéma. Donc moi, je ne le vois pas tellement comme un prix pour ma carrière, mais je le vois aussi comme un prix pour le cinéma au Costa Rica.